Des échanges de tirs en pleine rue. Des images qui ravivent des souvenirs douloureux au Liban. 14 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées hier à Tripoli, la principale ville du nord du pays du Cèdre, dans des combats entre partisans et opposants au régime syrien. L'armée s'est déployée entre les deux camps, mais la tension reste vive. Les heurts ont opposé des habitants du quartier de Bab el-Tebaneh, majoritairement sunnites et hostiles au régime syrien, et ceux de Jabal Monsen, plutôt alaouite et sympathisant de Bachar el-Assad. Le premier ministre libanais Najib Mikati s'est rendu hier à Tripoli pour s'entretenir avec les autorités locales. La guerre civile en Syrie voisine exacerbe les tensions au Liban, un pays qui a connu 30 ans d'hégémonie syrienne et qui reste profondément divisé entre adversaires et partisans de Bachar el-Assad.